Bonjour à tous, alors aujourd'hui je fais une petite vidéo où je vais vous montrer comment créer des liens de téléchargement. Si par exemple vous voulez donner un film à votre ami qui ne veut pas le télécharger et que vous l'avez déjà téléchargé, ou un jeu, ou ce que vous voulez. Alors je vous mettrai le lien du site dans la description qui va vous permettre de créer le lien. Alors c'est un lien très puissant. Ça peut aller jusqu'à 2 gigas. Alors, il va vous falloir WinRAR. Je pense que vous l'avez. Mais au pire, je mettrai le lien de téléchargement dans la description. Alors, une fois que vous l'avez téléchargé, WinRAR, vous allez mettre archive-winrar.zip. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, hein. Nous, on va l'appeler ABCD. Vous l'ouvrez. Alors, vous voilà, vous êtes sur le fichier. Maintenant, vous ne savez pas quoi faire. Bah, il va falloir vous sélectionner votre fichier que vous voulez, hein. Par exemple, nous, on va sélectionner Myninator. Vous allez le mettre dedans. Une fois qu'il est mis, là on vient de le mettre, hein. Alors vous allez fermer le logiciel. Vous allez aller retourner sur le site. Vous faites sélectionner un fichier. Vous allez aller sur votre fichier. Nous, il est sur le bureau. Voilà, ABCD, ouvrir. Voilà. Alors vous faites envoyer le fichier. Et ça va le télécharger. Alors là, ça va être rapide parce que c'est un tout petit fichier, hein, mais quand même qui contient Myninator qui permet de créer des cinématiques. Alors ça va vous télécharger, hein. C'est rapide. Alors faut attendre. Et après, quand là c'est fini, pour vous prouver que ça marche, je vais copier-coller l'adresse du lien. Voilà, ça va me mettre ça. Vous faites cliquer le moins payant, écrire le lien, là, tac, et vous faites générer. Vous attendez 17 secondes et vous mettez générer un lien de téléchargement et c'est bon. Alors on va attendre encore pour vous montrer. Voilà. Et voilà, ça l'a téléchargé et vous voyez. Le fichier s'est téléchargé. Alors c'était très simple et c'était facile. Alors j'espère que le lien, non, la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, mettez un petit j'aime et abonnez-vous.